Salut les frappés de la trotteuse, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu particulière pour faire une unboxing, je sais pas comment on dit en anglais là, c'est une ouverture de boîte. Bref, je viens de recevoir ma nouvelle montre, ma Siga Design X Series, et donc en quelques minutes je vais essayer de te la présenter. Et puis, si je peux essayer de te transmettre aussi ma passion des montres, alors je t'arrête tout de suite. Toi qui es un peu spécialiste des montres et qui va regarder cette vidéo, je suis pas un grand spécialiste, je suis juste un grand passionné, je suis un amateur d'horlogerie et de montres en général. Mais je suis pas spécialiste, c'est les termes et tout, je maîtrise pas encore les trucs, donc si je fais une petite erreur ou quoi, c'est pas grave, faut pas m'en vouloir. Bref, et je fais une toute petite parenthèse et on commence la vidéo tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Si tu vois cette vidéo sur la chaîne Montre ton temps, bah merci beaucoup et bienvenue à toi sur cette chaîne. Et si tu regardes cette vidéo via ma chaîne principale, Macam c'est pas là, mais une chaîne sur le football et le Paris Saint-Germain, bon bah écoute, je la mets sur ma chaîne principale pour un peu booster aussi ma nouvelle chaîne sur les montres. Voilà, petite parenthèse fermée et on va commencer cette présentation. Donc je sais pas si tu connais la Siga Design, je sais pas si tu connais Siga Design, du moins c'est une montre, c'est une marque de montre du moins chinoise qui a été créée en 2012. Et honnêtement, c'est une montre qui a été créée, c'est une marque qui a été créée pour redonner, redorer plus ou moins le blason de l'horlogerie chinoise, parce qu'on va pas se mentir, tous les retours qu'on peut connaître sur la majorité des montres chinoises, bah pour être poli, c'est de la merde. Et c'est pas... c'est de la merde. Donc là, avec cette marque qu'ils ont sorti, Siga Design, en 2012, aujourd'hui on est en 2022, ça fait 10 ans que cette marque existe, et en 10 ans, elle a raflé 14... prix, si je dis pas de bêtises, et dans ces 14 prix, tu as le Design Award d'Allemagne. Récemment, là, c'est la Blue Planet de chez Siga Design pour une valeur à peu près de 2000 euros, un peu en dessous de 2000 euros, qui a gagné le Grand Prix de Design de Genève devant des grandes maisons de montres. Donc, c'est pour te dire que là, Siga Design arrive et fait du lourd. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que je suis en train de me saouler moi-même. Donc, je suis en train de me dire, tu es certainement en train de te saouler toi aussi. Donc, regarde. Déjà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, sincèrement, pour une montre à 400 euros, à entrée de gamme, à un peu moins de 400 euros, franchement, on est content et on en a pour son argent. Alors déjà, le packaging, génial. Déjà, tu reçois le truc, ça se commande sur Amazon pour un tout petit peu moins de 400 euros. T'as une superbe Siga Design, t'as des colorés différents. Bref, on va voir ça tout de suite. Regarde, donc déjà, moi, je trouve que l'emballage, rien que l'emballage déjà, magnifique. Il y a des montres à 1000, 1500, 2000 euros où les emballages, franchement, c'est de la merde. Donc là, franchement, ils mettent la barre très haut. Donc tu vois, tu sors, je vais pas te mentir, je l'ai ouverte avant. Fallait bien, j'étais impatient, tu sais, comme un enfant. Mais je te l'ai remise comme elle était quand je l'ai reçue. Donc tu vois, t'enlèves les protections, machin. Elle a un espèce de plastique, hein, le bruit, ça va être relou. Elle a un espèce de plastique. Et là, sincèrement, je te dis franchement, quand tu reçois le truc, je sais pas si tu vois bien, on voit bien. Sur le truc, je sais pas si on aperçoit, mais tu vois, c'est en relief, tu vois, comme ça, c'est un peu genre gravé, tu vois. Franchement, même tu sens au toucher, c'est une qualité, et rigole pas. Franchement, déjà, tu vois, rien que déjà là, pour le prix, pour une montre squelette, tu dis, bon, les mecs, ils rigolent pas. Les mecs, tu vois, tu sens qu'ils veulent mettre la barre un peu plus haut, tu vois. Donc déjà, quand tu ouvres le truc, tu vas dire, je te le refais. Waouh, magnifique. Et tu vois, ça fait un peu comme un livre. Style, t'ouvres une nouvelle histoire, un nouveau chapitre avec Siga Design. Donc tu rentres dans l'histoire avec Siga Design. Enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti le truc quand j'ai ouvert la boîte. Donc déjà, et quand tu l'ouvres, là mon... Alors là mes camés, mes frappés de la trotteuse là, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, quand tu l'ouvres déjà... On a failli faire une bêtise. Quand tu l'ouvres déjà, pouf, déjà tu vois le bébé, le bijou. Et tu vois, là tu peux voir sur le côté, on voit bien. Ouais, je sais pas si tu peux bien voir là sur le côté, tu vois tous les prix comme je te disais qu'elle a gagné. Et là, le dernier en titre, c'est le Blue Planet de chez Siga Design. Bref, donc déjà là, 13 titres. Je sais pas si tu vois comment ce truc, tu vois le petit bébé. C'est impeccable, tu vois. C'est magnifique. Et là après, je t'explique pas. Tu vas, je sais pas, au montage, je vais te mettre des images derrière et tout, des petites vidéos. T'inquiète pas. Hein. On est bien chez moi. Bref, et quand tu ouvres le truc,
Ah, superbe. Ah, tu vois, exceptionnel. Un superbe bracelet en caoutchouc, franchement d'une superbe manufacture, d'une superbe finition au toucher, bref, rien à dire. Et une superbe et un superbe bracelet en nylon, franchement d'une très très bonne qualité, sincèrement, pour moins de 400 euros. T'es sur le cul. Bref, et après t'as une toute dernière page, enfin non, une avant-dernière page, avec toutes les caractéristiques de la montre, par exemple, elle fait 48 par 48 mm, c'est un carré de 48 par 48. C'est un verre saphir, elle a une couronne lobotée d'un gorille, elle a une réserve de marche de 40 heures, c'est franchement très très bien. Et comme je t'ai dit, pour moins de 400 euros, franchement, ça vaut le détour, tu vois. Bon, là, on traîne un peu, bon là, t'as une autre page, bref, on s'en fout, hein. Je pense que tu t'en fous de la boîte. On va voir le bébé. Et le bébé, quand tu le prends, attends, je vais sortir le bracelet en caoutchouc et je vais te montrer comment c'est easy, c'est archi simple. C'est easy life, wesh, c'est ça. Et abonne-toi si t'as pas abonné. Non, je déconne. Bref. Donc franchement, tu vois, je sais pas si tu la vois bien. On voit bien. Je sais pas si tu vois bien. On me dit que oui. Madame me dit que oui. Donc tu vois, derrière, tu vois, sa tête oscillante, tu vois. J'espère que tu m'entends bien aussi, parce que le micro, du coup, je l'ai sous l'aisselle. Enfin, tu vois, ça, c'est le cul. Tu vois, le devant. X-Series. Pourquoi X-Series? Parce qu'elle est taillée en X. C'est une montre squelettée, 100% squelettée. Tu vois son cœur. Bah, normalement, tu vois son cœur bouger. Ouais, j'espère que... J'ai pas le retour, donc j'espère que je filme bien. Tu vois, franchement, elle est magnifique. Et dans la nuit, t'as une grosse barre X qui s'allume en néon, tu sais, en néon vert. Parce que la caractéristique de cette montre, c'est qu'elle est faite en super luminova. Donc ça veut dire une fois qu'elle charge l'énergie du soleil ou d'une lumière classique, et ben ça se charge de fou. Je sais pas si on pourra le voir là. En vrai, tu vois, j'ai un néon à côté, je vais essayer de la charger vite fait, mais bon, vu que là j'ai besoin de beaucoup de lumière pour mes fonds verts, j'arriverai pas à te... Mais bref, elle est magnifique. Sincèrement, ça tue. Je vais te montrer en 2 secondes ce que ça vaut au poignet, tu vois. La facilité pour monter le bracelet, regarde, ça c'est quoi? La face, elle est devant, donc ça c'est ici, bang bang stack a bang, tac, hop, merde, bah tu vois, il suffit que je te parle et je te dise genre, t'as vu, c'est facile, en fait c'est super difficile, je suis en train de me ridiculiser, et là t'es en train de te dire, en fait ils nous vendent la grosse carotte, mais je te vends rien du tout parce que j'ai pas de part là-dedans, hein. C'est ma montre personnelle, je l'ai achetée avec mes deniers. Donc franchement, bah tiens, si tu veux me donner de la force et du courage, bah abonne-toi, ça aide pour le référencement et le soutien. Avant de te faire la vidéo, ça rentre en 2 secondes, comme par hasard, là je galère, mais bref. Tu vois, avec le bracelet, franchement, es-tu... Le bracelet qui prend et qui épouse les formes, je sais pas si tu vois, en tête étoilée, un peu comme... Il y a sur les têtes de vis qu'il y a sur le devanture. Elle a une caractéristique aussi. Je sais pas, tu vois, je te parlais de la tête Gorillaz. Tu vois là. Parce que tu vois, il y a une tête logotée sur la couronne, en gorille purple. Elle s'appelle la X-Series Purple Neon. Parce que comme je t'ai dit, dans la nuit, elle s'illumine de ouf. Et je sais pas, là, si tu vas en apercevoir là. Je sais pas si tu vois, les ressorts. Tu vois. Parce que la caractéristique aussi de cette montre, c'est qu'elle est faite sur ressort pour absorber tous les coups, tous les chocs. Alors par contre, son petit défaut et son petit bémol, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ça fasse trop long. Alors son petit défaut et son petit bémol, c'est qu'elle a une résistance à l'eau de 3 ATM, 3 mètres. Donc en gros, tu peux juste te laver les mains avec. Tu sais, madame, elle fait la vaisselle. Je déconne, monsieur ou madame fait la vaisselle. Voilà, mais si tu veux prendre ta douche avec, je te garantis sur facture, oublie tout de suite parce que sinon tu vas chialer. Et tu vas te dire, putain, pour 400 euros, je me suis fait 40. Prendre une douche, je viens de te dire, ou nager dans l'eau. Oublie. Donc tu l'enlèves, machin. De toute façon, c'est une tête squelettée. C'est une montre squelette. Donc tu vois, au poignet, ce que ça donne. C'est une montre squelette, comme je te disais. Donc le plaisir, c'est pour observer le truc. Et le petit défaut aussi. Mais bon, on peut appeler ça un défaut. Mais non, ça, c'est parce que c'est le défaut des montres squelettes. C'est que tu vois, t'as pas de lisibilité pour voir l'heure. T'as pas d'arrêt, t'as pas de machin. Je sais pas ce que tu vois, ce que ça donne au poignet. Tu vois, elle est pas si grosse que ça. Il y en a qui la trouvent très grosse. 48 par 48 mm, tu vois, c'est un carré de 48 par 48. C'est comme à peu près les G-Shock
les GA 1900, ou non, les GA 2100, tu vois, ou les dernières qui sont sorties là. Donc voilà, tu vois, c'est franchement, moi je la trouve magnifique. Dis-moi toi en commentaire si tu la trouves belle. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et comment je t'ai aussi décrit les montres. Parce que comme je t'ai dit aussi en début de vidéo, moi je me lance, tu vois, c'est ma deuxième vidéo sur la chaîne Montre ton temps. Là je la mets aussi sur ma chaîne principale. Mais tu vois, je suis pas un expert dans les montres. Je suis un peu inexpérimenté. Je me lance comme ça dans l'aventure et dans la chaîne des montres aussi comme ça à mon tour. Parce que c'est pour faire partager tout simplement ma passion. Donc si je dis des bêtises, n'hésite pas à me rectifier. Je le prendrai jamais mal. Au contraire, on apprend tous les jours, et n'hésite pas, hein, tu sais, à me dire des petits détails, des machins. T'as vu, je connais pas tous les termes, les machins, je te présente juste ma passion. L'autre, c'était une petite guesse à 200 balles, tu vois, bah, c'est de la merde. Non, je déconne, elle est magnifique. Mais tu vois, après, je te ferai aussi, et puis dis-moi en commentaire si ça te plaît, si les montres te plaisent, ou si t'arrives à être passionné par ça, bah écoute, on pourra en discuter. Dans des prochaines vidéos, j'essaierai de te faire montrer tout ce que je peux avoir dans ma collection, ou des ouvertures de box sur les prochaines montres que je vais acquérir. Enfin bref, voilà. Je vais vous laisser là-dessus, je vais pas vous prendre plus de temps que cela. Si t'es arrivé jusqu'à là déjà, franchement, bah merci beaucoup. J'espère que la vidéo et le contenu t'a plu. Je vais te laisser là-dessus, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!